Arrête tout. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la Rover 200 VI? La version sport de la Rover 200, avec 145 chevaux sous le capot, avec un système de soupape désynchronisé comme le système VTEC de chez Honda. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va reparler un petit peu de cette Rover, puisque Florian va venir la récupérer, et pas que celle-là. Allez, c'est parti. Yo la dame, j'espère que vous aimez mon nouveau t-shirt. Rick and Morty, oui. J'adore cette série. Donc voilà, pour ceux qui sont fans aussi, rejoignez-moi dans les commentaires, on va en parler toute la vie. Non, c'est faux. Rappelez-vous de la dernière vidéo où j'avais récupéré la Rover 200 VI, c'était dans le vlog où ma Rover était partie pour une autre aventure dans le ciel des voitures. Donc la Rover 200 VI, je l'avais stockée chez moi pour que Florian vienne la récupérer plus tard parce qu'il n'y avait plus de place sur son camion, etc. C'est donc une Rover qu'il avait besoin parce que le moteur, moi je vous le dis, le moteur, c'est le moteur le plus recherché de chez Rover, c'est le moteur donc VVC qui veut dire Value Valve Control. Ce qui veut dire que ce moteur est assez spécial. Alors, le moteur VVC était le moteur le plus apprécié de ses utilisateurs. Un peu moins des mécanos, du fait de son arbre à cam qui a été coupé en deux sur l'arbre à cam de l'admission. Attendez, là, vous allez me dire, il commence à couper des arbres à cam. Pour partir sur la base du moteur, c'était donc une cylindrée de 1,8 L. Et chez Rover, seulement pour avoir la bonne taille de cylindrée, il jouait sur la hauteur des bielles et donc des pistons. Et là, je me dis, si je commence à tout vous raconter, à tout vous décrire, après, je devrais partir sur le vibre. On va faire simple, hein. Le système VVC est souvent associé au système VTEC de chez Honda. En gros, pour faire simple, le système VVC permettait d'avoir une conduite plus souple. Grâce à son arbre à cam d'admission assez spécifique qui était coupé en deux, il permettait, lorsque la voiture était à bas régime, de consommer moins, d'utiliser moins d'énergie pour faire tourner le moteur. Et pour que cela soit possible, lorsque la soupape d'admission s'ouvre, elle s'ouvre pendant un certain temps, et lorsque l'on arrive à des hauts régimes, le système VVC se met en place, les arbres à cam permettent aux soupapes de rester ouvertes plus longtemps, et donc avoir plus de puissance. Et quand tu commençais à appuyer un petit peu, et de là tu dépassais les 3000 tours, et donc là on dégageait la pleine puissance de ce moteur là. Ce moteur se faisant de plus en plus rare, Florian en avait donc besoin pour son projet à lui également. Donc cette semaine il est descendu chez moi pour récupérer la Rover 200, mais aussi une Rover qu'il avait trouvée sur le Mont Coin, une Rover 100. Ouais, ça arrête pas, ouais. Justement, avant de commencer la vidéo, je souhaite vous remercier encore pour votre soutien, comme à chaque fois. Vous m'envoyez tout le temps des commentaires, comme certains d'entre vous maintenant m'envoient des messages sur Instagram. C'est lourd, vous me suivez. Donc voilà, merci à vous de soutenir la chaîne comme ça. N'oubliez pas également que vous avez Utip. Voilà, si vous avez 30 secondes pour regarder une pub, c'est toujours ça en plus. Partagez les vidéos, abonnez-vous, afin que YouTube référence la chaîne de plus en plus haut et qu'on se fasse voir de plus en plus. Et pour ceux qui ont besoin d'immatriculer leur voiture, n'oubliez pas que vous avez toujours le code promo de 5% en lien dans la description chez immatriculer.com. Vous êtes les meilleurs, on continue comme ça. Maintenant, on peut passer à la vidéo. Et c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui Florian est à la maison parce qu'il est venu chercher la 200 VI. Elle est déjà d'ailleurs sur la remorque, vous pouvez le voir, bah voilà, Florian vous fait coucou. Salut. Et donc aujourd'hui plein de nouveautés, plein de petites choses qui vont se passer. Donc je vous dis ça dans quelques secondes. Alors au final, petit changement d'emploi du temps. Là je m'en vais avec Florian, on va encore faire une nouvelle aventure. On va récupérer une autre voiture, peut-être. Et du coup je vais le suivre, on est dans l'île de France. Donc bon, en vrai ça me fait pas trop bouger loin de chez moi. Et je vous tiens au courant. Ok, donc direction sud de la région parisienne où l'on va chercher la Rover 111. C'est donc un modèle de 1997. Avec ces modèles-là, c'est donc de l'injection monopoint et on peut trouver pas mal de pièces qu'on peut encore adapter sur nos voitures. À ce moment-là, je suis en plus pour de vrai. L'ambiance avec Florian, c'est road trip. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours génial quand il est question de voiture. Avec le masque, ça. Sans oublier bien sûr que la Rover 200 est toujours derrière sur la remorque. Allez, c'est parti. Ça y est, on est arrivé à destination. Donc là, on est venu chercher une autre Rover. Cette fois, c'est une Rover 100. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a la Rover 200 VI. Et là, on a préparé la benne pour récupérer la 100. Donc on vient juste de l'acheter. Et je pense que Florian a plusieurs projets là-dessus. Donc je vous tiens au courant. Je vous mettrai la vidéo là quand on va la débarquer. Allez, à tout de suite. Donc voilà la roue, vous pouvez la voir, quelques petits défauts dessus, les suspensions qui tombent d'un côté. Bon, Florian est super content de la voir, apparemment. Ok. T'aimerais que je fasse un truc? Ici, la Rover 100 a un peu de mal à monter sur la benne parce qu'on a un côté qui s'est dégonflé et du coup c'est super bas. Je vais regarder.
Ok, j'ai dû couper quelques secondes pour mettre la voiture sur le plateau parce que c'était un peu galère, elle passait pas, elle était trop basse ici. Du coup, la voiture est sur le plateau, mais c'est pas fini. Florian doit encore la cingler pour sécuriser tout ça. Donc voilà, une fois que c'est sécurisé, je pense qu'on va reprendre la 200 VI. On va repartir vers chez moi parce qu'il devra me déposer en plus de ça. Non, grand, on doit aller manger après. Ah merde. On doit manger et on doit aller chez Loïc. Ah ouais, on doit encore descendre encore plus dans le sud pour après remonter dans le nord. Du coup, Florent, là, sa journée, elle est un peu speed. Coup, bah, t'es en congé, toi, tu fais rien aujourd'hui. C'est vrai que moi, je suis plutôt libre en ce moment. Du coup, voilà, grosse journée, encore plein de trucs à faire. Déposer des pièces chez un pote à nous en dessous. Et après, voilà. Ah non, déposer encore. Est-ce qu'on dépose les pièces de Zeus ou pas? On va regarder en fonction de la route. Ça roule. Et du coup, peut-être encore passer chez Zeus pour lui poser des pièces. Bon, vous avez vu, le planning est un peu chargé. On y va. Donc voilà, une fois que la voiture est bien cinglée, on peut faire en sorte de faire monter la benne. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Arrête-toi. Et c'est parti pour la deuxième tentative qui s'annonce beaucoup mieux que la première. Enfin, c'est rassurant. Bon, on a eu de la chance cette fois, la voiture n'est pas tombée. Cool. Nous sommes de nouveau sur la route. Il est maintenant 14h20. On n'a pas encore mangé, la faim commence à se faire sentir. Donc voilà, on a les deux voitures là. Il faut qu'on passe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer déposer les pièces chez Loïc. Et une fois que ce sera bon, Florian sera enfin libéré pour rentrer. On passe par chez moi, il dépose. Et c'est parti. Salut Florian, vient juste de partir. Donc là les gars, on va faire un petit débrief. Il est 16h. Je suis parti d'ici à 11h midi je crois et Florian m'a quand même déposé des petits trucs. Pour le coup, il a pas pris le berceau aujourd'hui parce qu'il va revenir théoriquement ce week-end. Donc il va reprendre ça ce week-end et il va commencer à assembler le nouveau moteur. Donc en venant, il m'a pris quelques petits trucs sympas. Du coup là, j'ai deux roues de Ford Fiesta parce que mes pneus ils commençaient à être KO. C'est cool, merci beaucoup Florian. Et surtout ça, c'est des étriers arrière de MGTF. Du coup, bien sûr, comme vous allez comprendre, ce sera l'objet d'une vidéo, d'un projet assez long, sur de l'assez long terme. Donc voilà, je vous tiens encore là-dessus. Et là, des banquettes pour Zeus. Du coup, voilà, je fais le relais colis comme je lui ai dit. Et il m'a rapporté, surtout ça, c'est super important. Et ben, c'était les badges de la Rover grise, de la Rover verte. C'était les badges de la Rover verte. Donc voilà, merci beaucoup Florian, c'est un gros souvenir du coup sentimental. C'est génial. Prêt, quelques bricoles pour moi. Donc voilà. Donc c'était une journée assez remplie aujourd'hui. Bon, le projet n'est pas fini, le projet même est à son début. Et je suis assez fatigué, j'ai assez faim, on n'a pas encore mangé. Donc voilà, là je pars manger maintenant du coup. Salut la réalité FM, donc aujourd'hui ça y est, c'est enfin le jour. On est avec Florian, il est au volant de ma voiture. Et il va partir pour aller... l'amener dans son garage et faire ce qu'il y a à faire. On la démonte, on la refait, on la bichonne. Ok, donc voilà, de toute façon j'ai totalement confiance en Florian, elle sera prête d'ici peut-être un mois. Mais on empêche, pendant ce temps-là, j'aurais super hâte et je conduirai que la fiesta. Et Florian, tu me promets de bien t'en occuper. Promets déjà. Allez, salut. Et voilà, c'est l'heure pour la voiture de partir. Un petit pincement au cœur parce que je sais pas vraiment combien de temps elle va rester chez lui. Mais je me dis qu'elle est quand même dans un garage, c'est Florian qui l'a, donc... pas de stress. Bye. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit, hein, que ma Rover partait aussi. Vous savez qui était au courant? Ceux qui me suivent sur Instagram. Ok, donc état des lieux, j'avais donc deux Rovers sur l'allée de chez moi. Florent est venu, il est reparti donc avec trois voitures. Il part maintenant pour un mois ou plus, je sais pas. Et je sais pas si vous avez remarqué dans le coffre de la Rover. Donc voilà, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez jeter un œil. Rappelez-vous de la vidéo de la dernière fois aussi. Tout est lié. On va donc installer, enfin Florent du coup va commencer à installer le moteur. Moi je viendrai après quand tout sera fini et je ferai genre ah j'ai tout installé. Non, je rigole. On coupe ça à montage. On va commencer premièrement de démonter l'avant de la voiture pour installer le nouveau moteur. Puis moi j'arriverai tout compte temps. Et on va
s'occuper de faire les finalisations ensemble. Et ça va être lourd de ouf. Donc j'ai tellement hâte là. Donc voilà, là ça fait déjà 3 semaines le jour où je tourne cette vidéo. La rover me manque déjà beaucoup. Là ce qu'on va faire c'est ouf. Ok. On va vous en parler maintenant, tout simplement pour pas vous spoiler le projet. Et vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos qu'il se trame un truc. Et que vous allez remarquer que les vidéos ont un sens, ont un lien entre elles à chaque fois. J'espère que cette vidéo, du coup plutôt importante pour l'histoire de la nouvelle rover, vous aura plu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Partagez, abonnez la vidéo. Abonnez la vidéo, ça ne se fait pas, bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus rapidement sur la rover 100. Parfois, vous le savez, je fais des petites stories en douce comme ça, bam, 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 sur la rover. Et j'espère vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Wouh!